Salut YouTube, mon prénom c'est Daniela Sanaï, mais vous pouvez m'appeler Daniela. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux astuces très importantes pour des filles qui portent des soutiens-gorge. Bon, d'abord je vous montre comment le soutien me va avec mon top en dessous. Et vous pouvez voir que ce n'est pas très joli, c'est pas très à la mode, voilà. Donc, après, je vous montre bien évidemment comment ça me va sans. Là, j'ai levé mon soutien, vous pouvez le voir, c'est pour ça que je vous montre. Maintenant, à l'astuce. La première des choses, c'est de tirer les deux bretelles. C'est-à-dire que chaque côté, vous les tirez au maximum. Après avoir tiré les bretelles, vous mettez votre soutien gauche comme vous le faites de base. Vous portez votre soutien-gorge, voilà. Après avoir mis votre soutien, vous prenez les deux parties que vous devez fermer normalement derrière, vous les fermez par devant. Après, il y a normalement trois parties dans votre soutien. Je ne sais pas la partie qui vous correspond, ça dépend de votre taille, ça je ne peux pas vous dire. Mais après avoir choisi la partie qui vous va le mieux, vous fermez. Après avoir fermé, bien évidemment, vous veillez à ce que vous ne mettez pas ça sur votre sein. Parce que si vous mettez sur votre sein, bien évidemment, ça va vous faire mal au bout d'un moment. Donc, vous devez toujours mettre cette partie en bas, vers le bas, comme je vous montre dans la vidéo. Vous voyez, je veille à ce que ce soit toujours vers le bas. Dès que vous avez fait ça, l'astuce est finie. Bon, après moi, ça me reste un peu particulièrement parce que j'ai mon top en bas, donc c'est un peu bizarre. Du coup, j'essaye de arranger ça, mais voilà. Bon, pour la deuxième astuce, j'ai dû aller changer de top parce qu'avec le top précédent, vous allez rien voir. Donc maintenant vous pouvez voir dans mon dos qu'on voit toujours les bretelles de mon soutien-gorge quand je porte ce top. Donc je vais vous montrer l'astuce, j'enlève juste mon soutien-gorge et je reviens. Bon, maintenant j'ai mon soutien-gorge à la main. Vous avez besoin d'un soutien-gorge très basique, un soutien-gorge normal quoi. Et aussi d'une petite corde, je ne sais pas si vous voyez. À main j'ai une petite corde. Donc vous voyez la petite corde. Sauf qu'il y a juste une petite particularité dans mon soutien-gorge par rapport aux autres. C'est le fait que moi j'ai deux petits trous. Tandis que d'autres soutiens-gorge normalement ils n'ont pas souvent ces petits trous. Donc si vous avez un soutien-gorge comme le mien, vous passez la corde entre les deux petits trous. Ce qui vous aidera parce que ça sera plus facile à faire. Et puis vous attachez. Par contre si vous avez un soutien-gorge basique, c'est-à-dire un soutien-gorge sans les deux petits trous, vous avez juste à superposer les deux bretelles, c'est-à-dire les bretelles de chaque côté, vous les posez les unes sur les autres comme c'est fait à l'image là-haut et vous attachez les bretelles. C'est la même chose, c'est juste que à la place des deux trous, vous attachez juste les bretelles et ça vous donne ça. Donc maintenant vous attachez le plus fort possible et le panant le plus de fois possible pour que ça puisse être le plus solide possible. Bon, là, j'ai fini et vous pouvez voir que j'ai remis le soutien-gorge et ça se voit bien qu'on ne voit plus les bretelles. Donc, vous pouvez aussi faire cette astuce, bien évidemment, avec un trombone. Sauf que des fois, avec un trombone, c'est plus compliqué. Mais à la place de la corde, vous mettez simplement un trombone et ça fait aussi l'affaire. Bah, à une prochaine vidéo.